Bonjour et bienvenue à cette initiation à la danse. Cette cassette va vous faire découvrir les danses les plus populaires pratiquées dans l'été dansant, les mariages ou les réceptions. Apprendre à danser doit être un plaisir. Et nous allons vous initier pas à pas à toutes ces danses sur un tempo lent pour commencer. Après un entraînement assidu, vous serez prêt pour votre premier bal. Bon courage et bon divertissement. Nous vous proposons 5 danses. La valse, le rock, le foxtrot, le quickstep et le tango. Avant même d'apprendre des pas de danse, il est essentiel de faire un exercice très simple qui consiste à marcher. Marcher en avant, en arrière, encore et encore, les genoux souples, en se concentrant sur le rythme, les pieds bien parallèles et en se laissant imprégner par la danse. Il est également indispensable de savoir se déplacer latéralement en rapprochant bien un pied de l'autre à chaque pas. Déplacez-vous vers la gauche et vers la droite. Répétez ces exercices préparatoires encore et encore, si possible en musique, afin d'acquérir de bonnes bases. La valse. La valse par laquelle nous commencerons se prête à de multiples occasions. C'est la dernière danse. C'est avec elle que les jeunes mariés ouvrent le bal. Elle a la préférence des couples qui fêtent leur anniversaire de mariage. Et on peut la danser sur un tempo lent, normal ou rapide. Nous allons commencer par les 6 pas de base du cavalier. Préparez-vous à les suivre en vous plaçant face à votre écran de télévision comme l'indique le schéma. Pied droit en avant, comptez 1. Pied gauche sur le côté, comptez 2. Pied droit contre pied gauche avec déplacement du poids du corps, comptez 3. Pied gauche en avant, comptez 4. Pied droit sur le côté, comptez 5. Enfin, pied gauche contre pied droit avec transfert du poids du corps, comptez 6. Reprenons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. À présent, voyons les mêmes pas à partir d'un autre angle. Pied droit en avant, comptez 1. Pied gauche sur le côté, comptez 2. Pied droit contre pied gauche avec déplacement du poids du corps, comptez 3. Pied gauche en avant, comptez 4. Pied droit sur le côté, comptez 5. Et pied gauche contre pied droit avec transfert du poids du corps, comptez 6. Reprenons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant à nouveau dans l'autre sens, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6.
Voyons maintenant les pas de la cavalière. Préparez-vous à suivre ceci en vous plaçant face à votre téléviseur comme l'indique le schéma. La cavalière démarre avec le poids sur le pied droit. Pied gauche en arrière, comptez 1. Pied droit sur le côté, comptez 2. Pied gauche contre pied droit avec déplacement du poids du corps, comptez 3. Pied droit en arrière, comptez 4. Pied gauche sur le côté, comptez 5. Enfin, pied droit contre pied gauche avec déplacement du poids du corps, comptez 6. Reprenons. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Pied gauche en arrière, comptez 1. Pied droit sur le côté, comptez 2. Et pied gauche contre pied droit avec déplacement du poids du corps, comptez 3. Pied droit en arrière, comptez 4. Pied gauche sur le côté, comptez 5. Et pied droit contre pied gauche avec déplacement du poids du corps, comptez 6. Reprenons. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Maintenant dans l'autre sens, et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Après avoir répété plusieurs fois ces exercices en solo, nous sommes maintenant prêts à danser en couple. Prenez les mains de votre partenaire et exécutez les 6 pas de base l'un en face de l'autre. Maintenant, vu de l'autre côté, en comptant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. À présent, nous voici prêts à exécuter nos 6 pas en musique sur un tempo volontairement lent. Voici venu le moment d'apprendre la position du couple au départ. Le cavalier place sa main droite sous l'omoplate de la cavalière, le bras gauche gracieusement levé, la main gauche dans la main droite de sa partenaire. La cavalière laisse délicatement reposer son bras gauche sur le bras droit du cavalier. Leurs mains sont paume contre paume. Notez que leurs pieds sont légèrement décalés. Notez aussi qu'il est nécessaire de faire des exercices d'assouplissement au niveau des pieds afin de danser avec grâce. La valse ne serait pas complète sans un tour à droite. Il s'agit d'une figure qui s'exécute en tournant lentement vers la droite et qui se compose de nos 6 pas.
Nous allons à présent décomposer le tour à droite. Le cavalier exécute ses pas de base 1 à 3. Au quatrième pas, il met le pied gauche en arrière, puis déplace le pied droit latéralement et ramène le pied gauche contre le droit. Deux, trois, quatre, cinq, six. Pied droit en avant et pied gauche en arrière. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. À présent, il va effectuer ces mêmes pas en tournant doucement vers la droite et en ne modifiant pas les pas de base. Chaque fois, pied droit en avant et pied gauche en arrière. Voyons maintenant les pas de la cavalière. Elle exécute les trois premiers pas de sa figure de base, puis elle avance le pied droit, comptez 4, déplace le pied gauche latéralement, comptez 5, et ramène le pied droit contre le gauche, comptez 6. Et la figure est achevée. En arrière, 2, 3, en avant, 2, 3, et en arrière, 2, 3, en avant, 2, 3, et ensuite elle tourne doucement vers la droite, reculant toujours avec le pied gauche et avançant avec le pied droit, effectuant ainsi une gracieuse rotation vers la droite. Répétons à présent la figure complète plusieurs fois de suite. Et en effectuant lentement un tour à droite. Nous allons maintenant nous exercer sur un tempo normal. Nous évoluons sur la piste dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en enchaînant parfois deux fois de suite la figure de base avant d'effectuer un tour à droite. Et parfois quatre fois avant d'exécuter le tour à droite. Mais en veillant toujours à ce que le pied droit ne porte pas le poids du corps si l'on veut tourner à droite. Avec beaucoup d'entraînement, vous arriverez ainsi à sentir la valse. Le rock. Le rock a connu de nombreuses étapes, reçu de nombreuses appellations et gagner en route des figures sans cesse renouvelées. On peut le danser sur la musique de Bill Haley comme sur celle moins heurtée d'Elvis Presley. Les pas de base s'adaptent facilement à tous ces différents types de musique. Chaque morceau possède son style et son tempo. Et ce dernier peut être rapide, normal ou très lent. Le danseur doit s'imprégner du rythme et se laisser porter par la musique. Nous allons commencer par les pas du cavalier. Préparez-vous à les suivre en vous plaçant face à votre téléviseur, comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied droit. Faites un pas latéral du pied gauche, comptez 1. Replacez le poids du corps sur l'avant du pied droit, comptez 2. Reculez le pied gauche, 3. Et basculer sur le pied droit, 4. Reprenons. 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2
et 3, 4. À présent dans l'autre sens. Gauche et droit et en arrière. 1 et 2 et 3, 4. Restez bien sur la partie avant du pied avant de poser le talon. 1 et 2 et en arrière. 1, remarquez le mouvement des genoux qui a ici un rôle très important. À présent, les pas de la cavalière. Préparez-vous à les suivre en vous plaçant face à votre téléviseur, comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied gauche. Déplacez le poids du corps sur l'avant du pied droit. Comptez 1. Puis, sur celui du pied gauche, comptez 2. Faites un pas en arrière du pied droit et reprenez appui sur le pied gauche. Comptez 4. Ce qui donne 1 et 2 et 3. 4, 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4. À présent dans l'autre sens. Droit et gauche et en arrière. Droit et gauche, restez bien sur la partie avant du pied. Pliez les genoux pour marquer le rythme. 1 et 2 et en arrière. 1 et 2 et en arrière. Vous voici prêt à danser en couple. Mais comme dans cette danse, les partenaires sont légèrement éloignés l'un de l'autre, les mains jouent un rôle primordial. C'est le cavalier qui donne le rythme, en balançant ses bras à gauche puis à droite, en transmettant ainsi à la cavalière le rythme qu'il va ensuite imprimer aux pieds. Le mouvement des genoux doit être également bien maîtrisé. C'est en effet les jambes et les mains qui, ensemble, marquent le rythme. À présent, répétons les pas. 1 et 2 et en arrière. Remarquez que les deux partenaires reculent. 1 et 2 et en arrière. 1 et 2 et on recule. 1 et 2 et remarquez le mouvement cadencé des genoux et des bras. Le cavalier doit vraiment guider afin de transmettre le rythme à sa cavalière. Voici enfin venu le moment tant attendu d'exécuter les pas en musique sur un tempo lent pour débuter. Notez bien le mouvement des genoux, le rythme des pieds et le rôle des mains du cavalier qui guide la cavalière. Et souvenez-vous que dans le rock, il faut avant tout suivre le rythme de la musique et sentir celle-ci. Le rock ne serait pas complet sans la pirouette de la cavalière, effectuée en passant sous le bras du danseur, à droite et à gauche. Elle se tourne vers la gauche pour faire face à son partenaire, qui lève le bras, lui permettant d'exécuter un tour à droite, puis de revenir à sa position initiale. Décomposons maintenant les mouvements. Le cavalier lève le bras gauche, la cavalière pivote sur sa droite en passant sous le bras du cavalier qui le rabaisse à la fin du tour. Il lève de nouveau le bras, la cavalière pivote sur sa gauche, il rabaisse le bras à la fin du tour. Il lève le bras, elle pivote sur sa droite et il rabaisse le bras. Il lève de nouveau le bras,
Elle pivote sur sa gauche. Il rabaisse le bras lorsqu'elle lui fait face. Commencez par la figure de base. Le cavalier lève le bras gauche et invite la cavalière à faire un pas à droite. Elle pivote sur le pied droit en passant sous le bras du cavalier et retombe sur le gauche. Elle fait maintenant un pas en arrière du pied droit, puis bascule sur le gauche. Elle avance le pied droit vers son partenaire, pivote sur le pied droit et retombe sur le gauche, face à son partenaire. Puis, ensemble, ils font un changement de pied. Reprenons. En avant. En avant, tournez, changement de pied. En avant, tournez, changement de pied. Les pas du cavalier sont des pas de base. Mais il se tourne légèrement pour faire face à sa cavalière. Voyons la démonstration sous un angle différent. Tout d'abord, la figure de base. Le cavalier lève le bras en une courbe gracieuse. La cavalière passe sous le bras du cavalier et pivote à droite. Et à la fin du tour, le cavalier baisse le bras. Il lève de nouveau le bras. La cavalière pivote sur sa gauche. Et rabaisse le bras à la fin du tour. Puis ensemble, ils changent de pied. Un et deux et en arrière, sous le bras, tour à droite et changement de pied. Sous le bras, tour à gauche et changement de pied. Après avoir répété encore et encore les pas de base et les tours de la cavalière à droite et à gauche, nous sommes prêts à aborder un tempo plus rapide. Marquez le rythme avec les genoux, les pieds et les mains afin de guider votre cavalière. Laissez-vous porter par la musique. Et souvenez-vous, ce qui compte dans le rock, ce n'est pas l'apparence, mais l'émotion et les sensations que vous exprimez sur cette extraordinaire musique. Le foxtrot. Le foxtrot fait partie des grands classiques que l'on ne saurait ignorer. Elle permet d'évoluer dans un espace très réduit sur des musiques variées et elle possède beaucoup d'allure. On peut la danser sur de la musique disco, du Glenn Miller ou du foxtrot. Et plus généralement sur n'importe quelle mesure à quatre temps. Le mouvement de base compte 8 positions pour les pieds. Voyons tout d'abord celle du cavalier. Et préparez-vous à suivre ses pas en vous plaçant face à votre écran de télévision, comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied droit. Avancez le pied gauche, comptez 1.
Avancez le pied droit en le glissant contre le gauche, comptez 2. Pied gauche sur le côté, comptez 3. Et ramenez le pied droit contre le gauche en déplaçant le poids du corps, comptez 4. Reculez le pied gauche, comptez 5. Reculez le pied droit en le glissant contre le gauche, comptez 6. Pied gauche sur le côté, comptez 7. Et ramenez le pied droit contre le gauche en déplaçant le poids du corps, comptez 8. Reprenons et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant sous un autre angle et en rythme. Et lent, lent, rapide, rapide. Lent, lent, rapide, rapide. En avant, sur le côté, fermé. En arrière, sur le côté et fermé. En avant, sur le côté et fermé. En arrière, sur le côté et fermé. Et maintenant, les pas de la cavalière. Préparez-vous à les suivre en vous plaçant face à votre écran de télévision, comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied gauche. Reculez le pied droit, comptez 1. Reculez le pied gauche en le glissant contre le droit, comptez 2. Pied droit sur le côté, comptez 3. Et ramenez le pied gauche contre le droit en déplaçant le poids du corps, comptez 4. Avancez le pied droit, comptez 5. Avancez le pied gauche en le glissant contre le droit, comptez 6. Pied droit sur le côté, comptez 7. Et ramenez le pied gauche contre le droit, comptez 8. Droit, gauche, sur le côté, rassemblé. Droit, gauche, sur le côté, rassemblé. En arrière, sur le côté et rassemblé. En avant, sur le côté et rassemblé. Maintenant sous un autre angle. 1. Reculez le pied gauche, comptez 2. Pied droit sur le côté, comptez 3. Ramenez le pied gauche contre le droit en déplaçant le poids du corps, comptez 4. Avancez le pied droit, comptez 5. Avancez le pied gauche en le glissant contre le droit, comptez 6. Pied droit sur le côté, comptez 7. Et ramenez le pied gauche contre le droit, comptez 8. À présent, répétons. Et lent, lent, rapide, rapide. Lent, lent, rapide, rapide. Et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, 8. Nous voici prêts à répéter la figure en couple. Départ, poids du corps sur le pied droit, et 1, et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8. Lent, lent, rapide, rapide, et lent, lent, rapide, rapide, et lent, lent, rapide, rapide, et lent, lent, rapide, rapide. Dans l'autre sens à présent. Lent, lent, rapide, rapide. Marquez bien le rythme avec les genoux et les pieds. Et 1, et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8.
Pour rendre ces 8 pas plus attrayants, nous allons exécuter une figure en zigzag qui se décompose comme suit. Pendant les 4 premiers pas, effectuez un très léger tour vers la droite. Pendant les 4 suivants, un très léger tour vers la gauche. Lent, lent et rapide, rapide. On reprend. Léger tour à droite et léger tour à gauche. Ces légers tours à droite puis à gauche dessinent une figure en zigzag et agrémentent les pas de base. Étudions maintenant la position de départ. Le bras de la cavalière est posé sur le bras droit du cavalier qui enlace l'épaule de sa partenaire. Le bras gauche du cavalier est replié. Leurs mains sont paume contre paume. Nous avons choisi un tempo très lent pour répéter. Notez bien les tout petits pas et l'élégance du style. Ce petit tour est juste destiné à vous permettre de voir la figure sous un autre angle. Le foxtrot peut être aussi agrémenté d'une figure appelée promenade. Elle permet au cavalier de converser avec sa partenaire. Voyons maintenant comment il doit guider la cavalière. Départ, pieds joints, il effectue un léger tour et tous deux progressent sur la piste dans la même direction. Puis ils joignent de nouveau les pieds pour retrouver la position de départ. Voyons cette figure de face. Ils traversent la piste dans la même direction. Ils avancent puis joignent de nouveau les pieds. Un pas, sur le côté et ramené. On reprend les 8 pas de base à la fin de la figure. Nous sommes maintenant sur le tempo normal. Ajoutons au pas de base la promenade. On évolue doucement sur la piste, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à petits pas, les genoux souples, et en se laissant porter par la musique. Le mouvement de base compte 8 positions pour les pieds. Voyons d'abord celle du cavalier et préparez-vous à suivre ses pas en vous plaçant face à votre écran de télévision.
comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied droit. Avancez le pied gauche, comptez 1. Avancez le pied droit en le glissant contre le gauche, comptez 2. Pied gauche sur le côté, comptez 3. Et ramenez le pied droit contre le gauche en déplaçant le poids du corps, comptez 4. Reculez le pied gauche, comptez 5. Reculez le pied droit en le glissant contre le gauche, comptez 6. Pied gauche sur le côté, comptez 7. Et ramenez le pied droit contre le gauche en déplaçant le poids du corps. Comptez 8. Reprenons. Et. Pied gauche, comptez 1. Pied droit, comptez 2 en le glissant contre le gauche. Pied gauche sur le côté, comptez 3. Pied droit contre le gauche, comptez 4. Sans oublier de déplacer le poids du corps. Reculez le pied gauche, comptez 5. Reculez le pied droit en le glissant contre le gauche, comptez 6. Pied gauche sur le côté, comptez 7. Et ramenez le pied droit contre le gauche en déplaçant le poids du corps. Comptez 8. Nous venons d'exécuter nos 8 positions. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant les pas de la cavalière. Préparez-vous à suivre ceci en vous plaçant face à votre écran de télévision, comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied gauche. Reculez le pied droit, comptez 1. Reculez le pied gauche en le glissant contre le droit, comptez 2. Pied droit sur le côté, comptez 3. Et ramenez le pied gauche contre le droit en déplaçant le poids du corps, comptez 4. Avancez le pied droit, comptez 5. Avancez le pied gauche en le glissant contre le droit, comptez 6. Pied droit sur le côté, comptez 7. Et ramenez le pied gauche contre le droit, comptez 8. Pied droit en arrière, 1. Reculez le pied gauche, comptez 2. Pied droit sur le côté, comptez 3. Et ramenez le pied gauche contre le droit en déplaçant le poids du corps, comptez 4. Avancez le pied droit, comptez 5. Avancez le pied gauche en le glissant contre le droit, comptez 6. Pied droit sur le côté, comptez 7. Et ramenez le pied gauche contre le droit avec changement de poids, comptez 8. Reprenons. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous voici prêts à répéter en couple. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Changeons de sens. Et lent, lent, rapide, rapide. Lent, lent, rapide, rapide. Et lent, lent, rapide, rapide. Et lent, lent, rapide, rapide. Pour rendre ces 8 pas plus attrayants, nous allons exécuter une figure en zigzag. Posez les mains sur les épaules de votre partenaire et effectuez les 4 premiers pas avec un très léger tour vers la droite. Et 1, 2, 3, 4.
Maintenant les quatre suivants avec un très léger tour vers la gauche. Et 1, 2, 3, 4. Léger tour à droite, lent, lent et rapide, rapide. Tour à gauche. Changeons de sens. Lent, lent et rapide, rapide. Lent et tour à gauche, puis à droite. Et léger tour à gauche. Étudions maintenant la position de départ. Le bras gauche de la cavalière est posé sur le bras droit du cavalier. Sa main droite est posée sous l'omoplate de la cavalière et son coude gauche replié. Leurs mains sont paume contre paume. Et lent, lent, rapide, rapide. Lent, lent, rapide, rapide. Lent, lent. Petit tour à droite, puis à gauche. Notez bien les tout petits pas. Lent, lent, rapide, rapide. Lent, lent, rapide, rapide. Le mouvement des genoux est essentiel car il donne le rythme des pieds. Ce petit tour est juste destiné à vous permettre de voir la figure sous un autre angle. Le quick step peut être aussi agrémenté d'une figure appelée promenade. Elle permet au cavalier de converser avec sa partenaire. Revoyons cette figure. Au moment de rassembler les pieds, le cavalier effectue un très léger pivot afin que ses pieds et ceux de sa partenaire se retrouvent dans la même direction. Tous deux font un pas, comptez un. Un autre, comptez 2, puis en avant et pieds joints, 3, 4. Un pas en avant, comptez 1. Un autre, comptez 2. Puis en avant et pieds joints, 3, 4. Avec pivot pour retrouver la position de départ. En arrière, latéral et fermé avec un léger pivot du pied. Ils sont dans la même direction, font un pas en avant, comptez un autre, comptez deux, puis en avant et fermé. Pas en avant, comptez un. Pas en avant, comptez deux. En avant et pieds joints, mais cette fois la cavalière se retourne face à son cavalier. On enchaîne sur les 8 pas de base à la fin de la figure. Côté, fermé, marcher, marcher. Côté, fermé, marcher, marcher. Côté, fermé, reprenez le pas de base. Ajoutons maintenant au pas de base la promenade. N'oubliez pas, on évolue sur la piste dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les danseurs doivent faire de très petits pas qui confèrent au quick step son allure élégante et entraînante. Le quick step.
La danse suivante est le quick step. Comme vous allez le voir, les pas de base rappellent ceux du foxtrot. Mais le tempo et l'allure de cette danse sont bien sûr très différents en raison du rythme trépidant de la musique. Le tango. Lorsque l'on danse le tango, il est difficile de ne pas penser à son extraordinaire histoire. Né en Argentine, il n'est pas seulement une danse. Il symbolise une partie de sa culture. Sa musique est un véritable évangile, pour ne pas dire une religion. Et pourtant, les figures de basse sont faciles à apprendre, car elles sont calquées sur des pas de marche naturels. La figure la plus complexe est la promenade, et c'est par elle que nous commencerons ce voyage initiatique. Voyons tout d'abord les pas du cavalier. Préparez-vous à les suivre en vous plaçant dans la position adéquate indiquée par le schéma. Le cavalier pivote sur ses deux pieds pour se mettre en position de promenade. Il avance le pied gauche, compté 1. Il avance le pied droit, compté 2. Il pose le pied gauche sur le côté, compté 3. Et ramène le pied droit contre le gauche, compté 4. Et 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens à présent, léger pivot et lent, rapide, rapide, lent. Pied gauche, pied droit, pied gauche sur le côté et pied droit contre pied gauche. Et on marche sur le côté et fermé. Et on marche sur le côté et fermé. En avant, sur le côté, fermé. Et 1, 2, 3, 4. Et maintenant les pas de la cavalière. Préparez-vous à les suivre en vous plaçant dans la position adéquate indiquée par le schéma. Elle effectue aussi un léger pivot pour se mettre en position de promenade. Elle fait un pas, compté 1. Elle fait un autre pas, compté 2. Elle fait un pas sur le côté en se tournant vers son cavalier, compté 3. Et elle rassemble ses pieds avec un changement de poids du corps, compté 4. Pour répéter la promenade, elle pivote sur ses deux pieds pour prendre la position de départ. Et un pas en avant, compté 1, un autre, compté 2, sur le côté, compté 3, et rassemblé, compté 4, en reprenant sa position face à son partenaire. Lent, rapide, rapide, lent, et 1, 2, 3, 4. Reprenons et lent, rapide, rapide, lent. 1, 2, 3, 4. 4 pas comptés lent, rapide, rapide, lent. Léger pivot sur les deux pieds, lent, rapide, rapide, lent. Léger pivot sur place, lent, rapide, rapide, lent. Nous voici prêts à répéter la figure en couple.
Placez-vous bien en face de votre partenaire, pivotez sur les deux pieds et commencez la promenade. Léger pivot et promenade. Dans l'autre sens, bien en face du partenaire, avec pivot sur les deux pieds et 1, 2, 3, 4, pivot sur les deux pieds. On reprend. Et. Lent. Rapide, rapide, lent. Et lent. Rapide, rapide, lent. Étudions à présent la position du couple au départ. Le bras du cavalier enveloppe le dos de la partenaire. Le bras gauche de la cavalière est juste sous le bras droit du cavalier. Leurs deux mains sont légèrement plus près du corps que dans la valse ou le foxtrot. Remarquez la manière saccadée dont le cavalier fait tourner sa partenaire. Regardons à nouveau. Il pivote d'un seul bloc et exécute la marche. Il pivote d'un seul bloc et exécute la marche. Lent, rapide, rapide, lent et lent. Le tango est plus intéressant et typique avec une figure qui puise directement aux sources du tango argentin. Le cavalier fait un pas sur le côté du pied gauche en mettant la jambe droite en extension. Il revient sur son pied droit et se prépare de nouveau à faire un pas du pied gauche. Donc pas à gauche. Extension de la jambe droite et on revient. On est alors prêt pour le prochain pas à gauche. Ajoutons maintenant la promenade à cette figure. Nous allons danser dans toutes les directions pour bien vous montrer les pas. Le tour final vous permet de voir la figure à partir d'un autre angle. Notez le pivot d'un seul bloc qui précède la promenade et la jolie ligne des jambes lorsque le couple exécute la variation. À présent, sur un tempo normal, en évoluant sur la piste dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est indispensable d'écouter le rythme saccadé qui donne son maintien au danseur. C'est une musique très particulière, sans rapport avec les autres danses. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que vous allez très vite vous inscrire dans un cours de danse qui vous aidera à perfectionner et à enrichir ces pas de base. Et vous verrez que danser est un vrai plaisir.
Nous vous proposons 5 danses latino-américaines. Le cha-cha-cha, le mambo, la rumba, la samba et le merengue. Le cha-cha-cha. Nous commençons par une danse très agréable, le cha-cha-cha. Elle vient d'Amérique du Sud où elle est très populaire. Elle compte de multiples variations qui font le bonheur des danseurs dès que ceux-ci, comme pour les autres danses, en maîtrisent les pas de base. Examinons les pas de base en commençant par ceux du cavalier. Préparez-vous à suivre ceux-ci en vous plaçant face à votre écran de télévision comme l'indique le schéma. Trois mots, cha-cha-cha, correspondent à trois pas. Départ, poids du corps sur le pied gauche, le cavalier fait trois pas à droite, puis trois pas à gauche. 4, 5, 6. 3 à droite. 1, 2, 3 et 3 à gauche. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Il ajoute maintenant à ses 3 pas 2 pas sur place. Il fait donc 3 pas à droite. 1, 2, 3. Rassemble le pied gauche avec le droit en faisant 2 pas sur place et pas sur place. Il repart en faisant 3 pas à gauche. Cha, cha, cha. Rassemble le pied droit avec le gauche et marque 2 pas sur place. Et pas sur place. Il repart sur 3 cha, cha, cha à droite et sur place et 3 à gauche et sur place. Cha, cha, cha. Et sur place, cha-cha-cha, et sur place. À présent, la même chose vue de l'autre côté. Cha-cha-cha, et sur place, et cha-cha-cha. Remarquez le mouvement des genoux et des hanches qui doivent accompagner les pas du cha-cha-cha. Voyons maintenant les pas de la cavalière. Préparez-vous à suivre ceci en vous plaçant face à votre écran de télévision, comme l'indique le schéma. La cavalière démarre avec le poids du corps sur le pied gauche. Elle fait 3 pas à droite, puis 3 pas à gauche. 3 à droite, cha-cha-cha, et 3 à gauche. Répétez cet exercice encore et encore jusqu'à en faire un automatisme. La cavalière exécute maintenant 3 pas à droite. Cha, cha, cha. Rassemble le pied gauche avec le droit. En faisant un pas sur place, puis en basculant sur le pied droit. Elle repart en faisant 3 pas à gauche. Rassemble le pied droit avec le gauche. En faisant un pas sur place, puis en basculant sur le pied gauche. Donc, 3 pas à droite, puis 2 sur place, 3 pas à gauche et 2 sur place. Cha, cha, cha et sur place. Changeons d'angle. Cha, cha, cha sur place, cha, cha, cha. Remarquez le mouvement gracieux des genoux et des hanches. Nous sommes maintenant prêts à répéter avec notre partenaire.
cha-cha-cha et sur place, cha-cha-cha. Entraînez-vous encore et encore. Étudions maintenant les pas du cavalier. Il fait ses pas sur place et dès qu'il se sent prêt, il entraîne la cavalière vers l'arrière en avançant lui-même. Et vers l'avant lorsqu'il recule. Un pas en avant et il l'entraîne vers lui. Voyons à présent les pas de la cavalière. Elle danse ses pas de base et au moment voulu, le cavalier l'entraîne en arrière, puis en avant. Les pas sont très serrés, mais ils rendent la figure plus intéressante. À présent, dansons le cha-cha-cha sur un tempo lent. La danse peut s'agrémenter d'une figure composée de pas ouverts. Le cavalier se sépare de sa partenaire vers la droite et tous deux dansent ensemble dans la même direction. Et même chose de l'autre côté. Commencez par les trois premiers pas. Et sur le troisième, placez-vous côte à côte. Faites un pas en avant, puis revenez à votre position de départ face à face. Cha-cha-cha et cha-cha-cha. Le cavalier libère sa main gauche et ensemble, ils font un pas en avant pour se retrouver côte à côte. Et ensuite, ils reviennent face à face. Ouverture, un pas en avant, ouverture, un pas en avant, en marquant bien le cha-cha-cha entre chaque ouverture. Cha-cha-cha. Voyons maintenant en détail la position des pieds. Le cavalier exécute ses trois pas de cha-cha-cha à droite, en tournant légèrement le pied vers l'extérieur pour préparer le pas ouvert. Il avance le pied gauche, se retrouvant côte à côte avec sa partenaire, bascule sur le droit et danse le cha-cha-cha en partant du pied gauche. Au troisième pas, il se tourne légèrement en position de promenade et il est prêt à retrouver la position côte à côte pour le pas ouvert. Et en avant, il se replace. Il recommence, danse le cha-cha-cha à droite, puis à gauche, sans oublier le léger pivot du pied qui lui permettra de préparer le pas ouvert. À présent, les pas de la cavalière. Il invite sa cavalière à danser le cha-cha-cha à gauche, la faisant légèrement pivoter pour préparer le pas ouvert. Et en avant, changement de pied, cha-cha-cha, en avant, changement de pied, cha-cha-cha, puis de nouveau face au cavalier.
Voici venu le moment d'apprendre la position du couple au départ. Le cavalier place sa main droite sous l'omoplate de la cavalière, sa main gauche dans la main droite de sa partenaire. La cavalière laisse reposer son bras gauche sur l'épaule du cavalier. Nous évoluons sur un tempo normal en exécutant les pas de base du cha-cha-cha. Pas ouvert. Et retour à la figure de base en ajoutant une variation pas en avant et pas en arrière. Le mambo. Le mambo est une danse qui nous vient de Cuba. C'est devenu une danse mondaine car elle peut se danser dans un espace réduit et sur de la variété. Son charme réside dans son rythme entraînant. Examinons les pas de base en commençant par ceux du cavalier. Préparez-vous à suivre ceux-ci en vous plaçant face à votre écran de télévision comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied droit. Pied gauche en avant, comptez 1. Replacez le poids du corps sur le pied droit en appuyant bien sur la plante du pied d'abord, comptez 2. Et ramenez le pied gauche avec transfert de poids, comptez 3. Pied droit en arrière, 4. Replacez le poids sur le pied gauche, 5. Rassemblez et changement de poids, 6. Reprenons et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Départ, poids du corps sur le pied droit. Pied gauche en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et rapide, rapide, lent. Et rapide, rapide, lent. Et rapide, rapide, lent. Et rapide, rapide, lent. Et 1, 2, 3, et 4, 5, 6. 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 Répétez bien ces pas en remarquant le mouvement des chevilles et des genoux qui souligne le rythme. Et rapide, rapide, lent, et rapide, rapide, lent. Posez d'abord la plante du pied sur le sol, puis le talon. Voyons maintenant les pas de la cavalière. Préparez-vous à suivre ceux-ci en vous plaçant face à votre écran de télévision comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied gauche. Pied droit en arrière, en restant sur l'avant du pied, comptez 1.
Replacez le poids du corps sur le pied gauche, comptez 2. Ramenez le pied droit contre le gauche en marquant un temps, comptez 3. Pied gauche en avant, 4. Replacez le poids sur le pied droit, 5. Rassemblez changement de poids, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, et 4, 5, 6. Et rapide, rapide, lent, et rapide, rapide, lent, et rapide, rapide, lent. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapide, rapide, lent. Rapide, rapide, lent. Rapide, rapide, lent. Rapide, rapide, lent. Remarquez que l'on pose d'abord la plante du pied sur le sol, puis le talon. C'est important pour bien marquer le rythme. Reprenons. Pied droit en arrière, pied gauche en avant, rassemblez et marquez le rythme. Rapide, rapide, lent, rapide, rapide, lent, rapide, rapide, lent, rapide, rapide, lent, et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, et 1, 2, 3, et 4, 5, 6. Servez-vous de la plante de vos pieds, cheville ferme, et martelez le sol. Et nous voici prêts à danser en couple. Faites bien attention au mouvement des genoux et des hanches qui doivent appuyer le rythme des pieds. Un, deux, trois, et quatre, cinq, six. Et un, deux, trois, et quatre, cinq, six. Et un, deux, trois. Revoyons le mouvement des pieds. La partie antérieure martèle le sol, les chevilles sont fermes, les genoux et les pieds suivent le même tempo. Regardons la cavalière. Elle se laisse guider par son partenaire. En appuyant bien la plante du pied par terre. Nous sommes maintenant prêts à danser les pas de base du mambo en prenant la position du couple au départ. Le cavalier place sa main droite sous l'omoplate de la cavalière. Leurs deux bras sont repliés et leurs mains jointes et les deux partenaires sont légèrement éloignés l'un de l'autre. La cavalière laisse reposer son bras gauche sur le bras droit du cavalier. Nous commençons par un tempo lent pour bien nous habituer à la musique et prendre peu à peu le rythme des pieds et des genoux. La danse peut s'agrémenter d'une figure composée de pas ouverts.
Le cavalier effectue ses 6 pas de base et sur le 6e, il se prépare à ouvrir vers la droite. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Il libère sa main droite, abaisse la gauche et ensemble ils font un pas en avant en pliant les genoux. Puis un pas en arrière avec transfert de poids. Le cavalier invite alors la cavalière à faire un pas sur le côté et à lui faire face. Il répète les pas, 4, 5, 6, mais en se préparant sur le 6e à un nouveau pas ouvert. Il fait donc un pas sur le côté et se prépare à ouvrir. Il libère la main droite de sa partenaire, abaisse la gauche et ils font un pas ensemble en pliant les genoux, puis un pas en arrière et un pas sur le côté pour retrouver la position de départ en enchaînant sur les pas de base 4, 5, 6, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. 1, 2, 3, préparez-vous, pliez 2, 3, et en arrière, 2, 3. Pliez 2, 3 et pas de base. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Écart 2, 3, arrière 2, 3. Pliez 2, 3 et en arrière. Voyons à présent les pas du cavalier. On peut observer que lorsqu'il s'écarte sur le pas 6, c'est pour se préparer au pas ouvert. Pas ouvert et pas de base. Pas ouvert et pas de base. Il répète les 6 pas de base. Sur le pas 6, il ouvre, effectue le pas ouvert et se retrouve en position de départ. Pas ouvert et retour en position de départ. Voyons à présent les pas de la cavalière. Elle effectue ses 6 pas de base et sur le 6e se prépare au pas ouvert. Elle fait un pas en avant et fléchit les genoux avec un léger mouvement arrière de la main. Bascule sur le pied gauche et fait un pas sur le côté pour faire face à son cavalier. Il l'invite ensuite à répéter les pas de base 4, 5, 6. Le cavalier guide la cavalière vers le pas ouvert grâce à une forte pression de la main. Après avoir répété les pas de base agrémentés de cette figure, nous sommes maintenant prêts à danser sur un tempo plus rapide. Marquons bien le rythme. Laissons-nous porter par la musique et goûtons cette danse gaie et entraînante. La rumba. La rumba est la reine des danses latino-américaines. Elle possède un style et une musique classique. Son charme découle des mouvements de jambes et de hanches que l'on n'obtient que par la parfaite maîtrise des pas de base.
Examinons les pas de base en commençant par ceux du cavalier. Préparez-vous à suivre ceci en vous plaçant face à votre écran de télévision comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied gauche. Faites un petit pas latéral du pied droit avec transfert du poids de la hanche à droite. C'est le début du mouvement de base. Puis, assemblez le pied gauche au droit avec changement de poids. Basculez sur le pied droit, puis avancez le pied gauche sur le côté. On déplace en même temps la hanche et on tend bien la jambe à l'arrivée. Le pied droit se joint au gauche avec un changement de pied, puis se déplace sur le côté avec transfert de la hanche et de la jambe. Gauche, droite, côté, gauche, droite, côté, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, et 1, 2, 3, et 4, 5, 6. Pour agrémenter la figure, le cavalier peut faire un pas en avant sur le premier temps au lieu de joindre les pieds. Et un pas en arrière, de sorte que les deux pas sur place sont maintenant légèrement en avant et légèrement en arrière. Départ, poids du corps sur le pied gauche. Il fait un petit pas latéral du pied droit avec transfert de la hanche sur la jambe. Il assemble le pied gauche au droit, puis change de pied. Changement de pied. Il avance ensuite le pied gauche sur le côté, avec transfert du poids du corps, déplaçant en même temps la hanche et la jambe. Comptez lent. Il assemble le pied droit au gauche, puis change de pied, changement de pied. Puis fait un pas latéral du pied droit, avec transfert du poids de la hanche sur la jambe. Comptez lent. Il continue avec un changement de pied et un pas lent. Changement de pied et pas lent. Changement de pied et pas lent. Et rapide, rapide, lent. Et rapide, rapide, lent. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il avance ensuite légèrement le pied gauche pour agrémenter la figure et recule légèrement le droit. Le tempo et l'effet restent les mêmes. Simplement, le pied gauche avance au lieu de se fermer et le pied droit recule. Voyons maintenant les pas de base de la cavalière. Préparez-vous à suivre ceci en vous plaçant face à votre écran de télévision, comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied droit. Petit pas latéral du pied gauche avec transfert de la hanche sur la jambe. La cavalière assemble ensuite le pied droit au gauche et fait deux pas sur place. Elle avance le pied droit en déplaçant le poids de son corps sur le côté, fermé, et changement de pied. Changement de pied et sur le côté, avec transfert de la hanche. Lent et rapide, rapide, lent et 1. 2, 3, et 4, 5, 6, et 1, 2, 3, et 4, 5, 6, sans oublier le changement de poids sur ce dernier temps. Pour agrémenter la figure, la cavalière fait un pas en arrière, puis un autre légèrement en avant au lieu des deux pas sur place. Un pas en avant, un pas en arrière, et un pas sur le côté avec un déhanché très appuyé. Départ, poids du corps sur le pied gauche. Elle fait un petit pas latéral du pied droit, compté. 1, avec transfert de la hanche sur la jambe. Elle assemble le pied gauche au droit, puis change de pied. 1, 2. Elle avance le pied gauche sur le côté,
déplaçant en même temps la hanche. Changement de pied lent. Changement de pied lent. Changement de pied lent. Notez bien le mouvement des genoux et le déhanché. Puis, le passage de la marche sur place au léger pas en arrière et en avant pour agrémenter la figure. En arrière sur le côté, en avant sur le côté. Droit en arrière sur le côté, gauche en avant sur le côté. Droit en arrière sur le côté, gauche en avant sur le côté. Voici venu le moment de répéter les pas de base de la rumba en couple. Nous commençons par le pas de base latéral pour nous familiariser avec la musique, le ou la partenaire et le rythme. Puis nous passons de cette figure de base à nos pas en avant et en arrière. Le cavalier entraîne sa partenaire en arrière, puis en avant. Nos 6 pas. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. À présent, dans l'autre sens, en commençant par les pas sur place et les déhanchés, pour nous imprégner de cette danse extraordinaire qu'est la rumba. Puis, le cavalier entraîne sa partenaire en arrière, sur son pied droit, tandis qu'il avance le pied gauche. Et en rythme, rapide, rapide, lent, rapide, rapide, lent, et rapide, rapide, lent, rapide, rapide, lent. Et le temps lent est très appuyé et légèrement décalé. Dansons maintenant sur un tempo lent, en laissant la musique entraîner nos jambes et nos pieds. Ce tempo est très lent et le mouvement des genoux est capital. Faites attention de bien danser en mesure. Ce petit tour ne fait pas partie de la danse. Il permet simplement de changer de sens afin de montrer les pieds, les jambes et les hanches des danseurs sous un autre angle. La rumba peut s'agrémenter d'une figure composée de pas ouverts. Le cavalier effectue sa figure de base, puis avance le pied droit sur le côté et libère sa main droite. Il abaisse la gauche et ensemble, ils font un pas et se retrouvent côte à côte. Le cavalier fait alors un pas latéral du pied gauche et se retrouve face à sa cavalière. Il libère sa main gauche, abaisse la droite et ils font un pas ensemble, se retrouvant côte à côte. Puis pas sur le côté et position de départ, face à face. Voyons à présent les pas du cavalier. Il effectue la figure de base, pas latéral, puis pas en avant du pied gauche et changement de pied sur place pour se retrouver côte à côte avec sa partenaire. Puis un pas sur le côté
Et il prend l'autre main de sa cavalière pour un pas ouvert dans l'autre sens. Ils avancent tous les deux dans la même direction, côte à côte. En avant sur le pied droit et on bascule sur le gauche. En avant et on bascule. Puis, pas latéral, préparant à nouveau le pas ouvert. Pas latéral. Et en avant et sur le côté. 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 En avant, sur le côté. En avant, face. Puis de nouveau, figure de base. Maintenant, les pas de la cavalière. Elle effectue ses pas de base et sur le sixième se prépare au pas ouvert en tournant légèrement le pied vers l'extérieur. Elle avance alors le pied droit pour venir en position côte à côte avec son cavalier et revient sur le gauche. Puis un pas sur le côté du pied droit pour faire face à son cavalier. Comptez lent. Elle avance le pied gauche, puis revient sur le droit, côte à côte avec son partenaire. Changement de pied. Elle fait un pas latéral du pied gauche pour se retrouver face à son partenaire. Prête à répéter le pas ouvert. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous dansiez ces pas avec aisance et naturel. Après avoir répété la figure de base et le pas ouvert, nous voici prêts à danser en couple. Le cavalier place sa main droite sous l'omoplate de la cavalière. Leurs deux bras sont gracieusement repliés. La cavalière laisse reposer sa main gauche sur l'épaule du cavalier et ils sont prêts à danser sur un tempo normal. Ils se servent de leurs hanches et de leurs genoux pour s'imprégner du rythme. Le cavalier amène sa partenaire au pas ouvert, puis l'invite à reprendre les pas de base. La samba. La samba est à l'origine une danse de carnaval brésilienne que seuls les hommes pouvaient danser. Puis tout le monde s'est mis à la danser séparément dans les rues pour célébrer le carnaval. Depuis son importation dans nos pays, on la danse en couple. Examinons les pas de base en commençant par ceux du cavalier. Préparez-vous à suivre ceux-ci en vous plaçant face à votre écran de télévision, comme l'indique le schéma. Départ, poids du corps sur le pied droit. Pied gauche sur le côté, comptez 1. Pied droit contre pied gauche sans changement de poids du corps, comptez 2. Pied droit sur le côté, comptez 1. Pied gauche contre pied droit sans changement de poids du corps, comptez
2. Et à gauche, rassemblé, à droite, rassemblé, à gauche, rassemblé, à droite, rassemblé. Pour varier la figure, le cavalier peut croiser le pied derrière au lieu de fermer, un pas et en arrière. Il exécute ainsi un léger frappé du pied, mais le tempo ne change pas. Côté fermé, côté fermé, côté croisé, et 1, 2, 1, 2, en pliant bien les genoux. Côté fermé et frappé derrière, en appuyant bien la plante du pied sur le sol. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, frappé, 1, frappé, 1, frappé, 1, frappé, et on revient à la figure de base. Notez bien le mouvement des genoux. Les deux genoux doivent être pliés au même niveau à chaque fois. Droite, gauche, droite, gauche, droite, puis la cavalière frappe derrière, suivant son cavalier. Elle se laisse guider, ferme quand il ferme, et croise derrière quand il l'y invite. Pliez bien les genoux. Observez qu'ils sont fléchis au même niveau, qu'ils sont très souples et marquent le rythme de la samba. Droite, gauche, droite, gauche, droite, puis la cavalière frappe derrière, suivant son cavalier. Elle se laisse guider, ferme quand il ferme, et tape derrière quand il l'y invite. Pliez bien les genoux. Répétons ces pas. Et un, et deux, et un, et deux. Notez que sur le « et », vous devez plier les genoux. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux. Nous voici prêts à danser en couple. Le cavalier place sa main droite sous l'omoplate gauche de la cavalière. Leurs deux bras sont gracieusement repliés et la cavalière laisse reposer sa main gauche sur l'épaule du cavalier. Dansons maintenant sur un tempo lent pour nous habituer au rythme de la samba et en enchaînant les deux pas sur la musique. Pas de base et tapez. Remarquez la flexion des genoux et le balancement du corps. Ce petit tour a juste pour but de vous montrer les pas de la cavalière sous un autre angle. La samba est plus attrayante et plus amusante en y ajoutant une double variation, la promenade et la marche du carnaval. Pour exécuter la promenade, le cavalier doit amener sa partenaire dans la même direction que lui. Ils font alors trois petits pas, quatre fois de suite, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Ils se séparent alors et dansent la marche du carnaval en répétant ces trois petits pas quatre fois de suite. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3 et 4, 2, 3. Puis ils reprennent la position de départ pour la figure de base. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tournons-nous et observons ces pas dans l'autre sens. Ils se mettent en position de promenade en pivotant légèrement sur les pieds. Trois petits pas en partant du pied gauche, trois du pied droit, trois du pied gauche et trois du pied droit.
Il se sépare et exécute un tour vers l'extérieur, effectuant ses trois mêmes pas pour la marche du carnaval. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3 et 4, 2, 3. Puis ils enchaînent avec la figure de base. 1, 2, 1, 2, 1 et 2 et 1 et 2. Maintenant les pas de la cavalière. Elle pivote légèrement sur ses pieds et fait ses trois petits pas, quatre fois de suite. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3 et 4, 2, 3. Elle se sépare de son cavalier, fait trois petits pas quatre fois de suite en tournant. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3 et 4, 2, 3. Puis elle enchaîne avec la figure de base. À présent, prenez la position du couple au départ et préparez-vous à danser sur un tempo normal. Pliez bien les genoux. Suivez bien la musique. Le cavalier guide sa partenaire en lui indiquant à l'avance le prochain pas. Le Méringuet. Le Méringuet est une musique très intéressante et sans doute une des danses les plus faciles à apprendre car il suffit de faire des petits pas. On la qualifie parfois de voleuse car sa chorégraphie s'inspire largement de plusieurs autres danses. Examinons les pas de base en commençant par ceux du cavalier. Préparez-vous à suivre ceux-ci en vous plaçant face à votre écran de télévision, comme l'indique le schéma. Faites un pas sur le côté, du pied gauche, sur l'avant du pied, un pas du pied droit, sur l'avant du pied, et pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, et 1, 2, et 1, et 2. On appuie bien sur la plante du pied avant de poser le talon. Et 1 et 2 et 1 et 2. On peut faire un léger mouvement vers l'avant sur le même tempo ou vers l'arrière. 1 et 2. On peut se tourner lentement vers la gauche. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Ou vers la droite. Ou on peut avancer latéralement à gauche. 1 et 2. 1 et 2. Et 1 et 2. Puis à droite. Le méringuet peut se danser les pieds écartés avec un très léger balancement. Les pieds séparés, mais en marquant la mesure avec chaque pied. Nous voyons à présent le genou se soulever légèrement avant de reposer le pied, renforçant d'autant plus le mouvement du pied. 1 et 2 et 1 et 2. Et 1 et 2, et on marque le temps sur place. Vous observez ici le balancement latéral qui s'exprime par un mouvement de hanche d'un côté, puis de l'autre.
Nous voyons maintenant comment la cavalière suit son cavalier en reprenant l'ensemble de la figure de base. En arrière, en avant. En arrière, en avant. Pendant que le cavalier fait un mouvement du bras dessinant une figure gracieuse. Ils font leur pas sur place. Puis, il lève le bras gauche et lui permet de tourner sur sa droite en passant dessous. Elle tourne en faisant ses pas de base, puis il pivote à son tour sans interrompre les pas de base. Observons la position des mains. Le cavalier doit être gracieux lorsqu'il lève le bras et qu'il invite sa cavalière à passer dessous. Il doit lever le bras assez haut afin de ne pas l'obliger à baisser la tête. La cavalière tourne la main très doucement et ne s'accroche pas à celle du cavalier. À présent, entraînons-nous sur un tempo lent. Le cavalier introduit à présent une variation en entraînant sa cavalière dans une figure où il l'enlace. Puis il la libère, la fait pivoter sous son bras avant d'en faire autant. Cette variation agrémente la danse en la rendant plus imprévue. Voyons de plus près ce mouvement d'enlacement et la façon dont le cavalier guide sa partenaire. Il lève le bras gauche, fait pivoter la cavalière à droite, qui termine son tour enlacé dans son bras droit. Exécutant son pas de base, il effectue un tour à droite, puis libère sa cavalière, qui revient de nouveau face à lui. Reprenons. Le cavalier lève le bras gauche et la main droite de sa partenaire, la fait pivoter à droite. Elle termine son tour enlacée dans son bras droit, il baisse le bras et ils tournent ensemble à droite, puis il libère sa cavalière qui revient de nouveau face à lui. Après avoir bien répété les pas de base, nous voici prêts à danser sur le tempo normal, en incluant cette nouvelle figure. Étant donné la simplicité des pas de base, le cavalier doit bien étudier ses mains afin d'indiquer à sa partenaire les changements de figure lorsqu'il l'entraîne loin de lui, vers lui, ou la fait passer sous son bras, ou bien l'enlace. J'espère que vous aurez bien profité de cette initiation et que vous allez très vite vous inscrire dans un cours de danse qui vous aidera à perfectionner et à enrichir ces pas de base.
Et vous verrez à quel point danser peut être un plaisir.